Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Sagittaire pour la période du 15 au 22 décembre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. N'hésitez pas à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien. D'accord? Merci pour tous mes abonnés. Merci pour le support. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos j'aime. Continuez de laisser des commentaires. Continuez de liker ma vidéo. Et pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à vous abonner à mon channel parce que vous n'allez pas regretter, ok? Alright. Voyons voir ce qui se passe ici avec les Sagittaires. Sagittaire. Oui, ça doit partir d'entre vous. Il est probable qu'il y a ici très longtemps que vous avez ici eu à être intime avec un partenaire. On a quelqu'un ici qui n'a pas eu à se mettre à l'aise pendant vraiment, vraiment très, très longtemps. Oui, c'est un parti d'entre vous. Il est probable que vous pratiquez ici l'abstinence. Il est probable que vous essayez ici de vous retenir. On a quelqu'un ici qui se demande. On a quelqu'un ici qui se dit souvent, de temps en temps, attends, je suis devenue une sœur ou quoi? Parce que là, il y a autant, j'ai pas eu à être intime, il y a autant, j'ai pas eu à être avec un partenaire. Vraiment, attends, ça part à la dérouille. Oui, c'est un parti d'entre vous. Il est probable que vous ayez ici un partenaire au travail qui soit attiré par vous. On a quelqu'un ici avec qui vous travaillez qui est obsédé par vous. C'est ici une personne qui est beaucoup plus âgée que vous. C'est ici une personne qui est beaucoup plus mature que vous. Je vois ici quelqu'un qui a des cheveux gris ou des cheveux blancs, somehow. Oui, c'est un parti dans vous, c'est peut-être votre patron. Vous pouvez ici être dans une relation avec quelqu'un qui a une différence d'âge que vous as well. Oui, c'est un parti d'entre vous. Si vous avez ici quelqu'un au travail qui a le béguin pour vous, il est probable que vous ayez ici cette personne-là qui a envie d'être intime avec vous au travail. On a quelqu'un ici qui a un fétiche. Son fétiche, c'est, d'être intime dans les escaliers, être intime dans l'ascenseur.
Mais il est probable que vous, malgré le fait que vous vous plaignez de temps à autre de cette abstinence-là que vous pratiquez, vous n'avez aucune intention d'être intime ici avec votre partenaire. Vous n'avez aucune intention ici de livrer le biscuit à votre partenaire parce que pour vous, c'est votre ticket garanti pour le mariage. On a quelqu'un ici qui a ses yeux sur vous. Oui, c'est un parti. Donc, vous, si vous ne savez pas, vous avez ici une personne qui n'arrête pas de vous observer. Vous avez ici une personne qui n'arrête pas de regarder vos photos. Vous avez ici une personne qui n'arrête pas de regarder vos vidéos. Si vous avez des vidéos, des trucs comme ça. Si vous avez un compte Facebook, Instagram, Twitter, whatever, vous avez ici un partenaire qui vous espionne, mais vous ne savez pas que votre partenaire vous espionne parce que pour vous, votre partenaire est un peu trop vieux pour avoir. Ce genre de compte là. C'est pas tout, c'est pas toutes les personnes âgées qui ont ces comptes. Je connais certaines personnes qui n'en ont même pas quoi du tout. Mais vous avez ici un partenaire qui a créé un faux compte pour vous suivre. On a quelqu'un ici qui vous observe, on a quelqu'un ici qui vous regarde. Oui, c'est une partie d'entre vous. Lorsque votre partenaire est au travail, il fait semblant de travailler souvent, mais you know, il n'arrête pas de regarder vos vidéos, il n'arrête pas de regarder vos photos, il veut toujours savoir ce que vous faites, où vous êtes. Vous avez peut-être ici affaire à quelqu'un qui fait partie d'une certaine classe sociale as well et qui a une certaine réputation en tant que tel, mais en même temps, vous êtes comme un fruit interdit pour cette personne. Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails. Hi, Angel, please give me more information on this reading, please. Thank you. Yeah. Oui, c'est une partie d'entre vous. Il est même probable que vous ignorez ici votre partenaire parce que vous avez envie de vous marier, vous avez envie d'avoir une certaine stabilité dans votre vie. Il est probable que vous ayez ici tourné dos à cette personne parce que vous voulez vous mettre ici dans une relation avec une autre personne. Puis c'est un parti d'entre vous, il est probable que vous ayez ici un ex qui essaye de revenir dans votre vie. Un ex avec qui vous espérez vous marier. Mais par contre, vous devez faire attention, d'accord, parce que la personne qui a envie de vous épouser, c'est cette personne-là que vous ignorez, c'est cette personne-là qui est au travail que vous ignorez, cette personne-là qui est plus âgée que vous et qui est obsédée. Apparemment, c'est cette personne-là qui a envie de vous mettre la bague au doigt, c'est juste que la personne-là ne vous a pas encore dit. Puis, c'est une partie d'entre vous, vous pouvez ici être dans une relation avec une personne qui est très controlling. Quelqu'un ici qui aime prendre des décisions, faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Vous avez ici affaire à quelqu'un qui veut vous dominer en tant que tel. Pour cette personne, vous êtes déjà sa femme. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que cette personne-là a pris la décision de ne plus rentrer en contact avec vous pour vous punir. Punir de quoi? Vous êtes peut-être ici dans une relation avec quelqu'un qui a un certain fétiche par rapport à la dominance, somehow. C'est peut-être ici quelqu'un qui aime dominer les femmes, ou bien il aime, je ne sais pas, vous avez le genre d'hommes, ils aiment dominer leurs femmes, ils aiment que leurs femmes soient soumises, c'est ça qui les intéresse, ces trucs comme ça. Et on a ici quelqu'un qui a pris la décision de rester loin de vous pour vous punir, something like that. Mais pour lui, vous êtes sa femme, pour lui, vous êtes ici la personne avec qui il a envie d'être. Mais même si vous écrivez des messages à cette personne, même si vous appelez cette personne, vous avez ici cette personne qui ne va jamais répondre à vos messages. Mais vous avez ici cette personne-là qui vous observe. Here. Puis c'est un parti. Donc vous êtes ici dans une certaine transition. Il est probable que vous passiez très bientôt de femme célibataire à femme mariée en un clin d'œil. Vous-même, vous n'allez pas trop comprendre ce qui s'est passé. Parce que vous ne savez pas réellement
Qui parmi ces deux hommes-là est dans votre vie pour le mariage? Qui parmi ces deux hommes-là est dans votre vie pour la stabilité? Je vois ici quelqu'un qui a une belle poitrine, somehow. Vous avez ici votre partenaire qui aime votre poitrine. Vous pouvez ici être dans une relation avec quelqu'un qui travaille dans le gouvernement ou encore quelqu'un qui travaille dans un institut de gouvernement. On a ici quelqu'un qui est dans la communication. Ça peut être un avocat, un juge, assistant d'avocat, secrétaire. Les organisations comme l'ONU, les trucs comme ça. Oui, c'est un parti d'entre vous. Si vous cherchez ici un travail, il est probable que vous ayez ici très bientôt le travail que vous cherchez, mais je ne sais pas, j'ai l'impression que vous hésitez entre travailler pour vous-même et aller encore au travail parce que vous êtes plutôt confortable chez vous à la maison. Anyway, je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, cliquez sur le deuxième lien. Vous pouvez être ici connecté à quelqu'un qui est Balance, Cancer, Scorpion et Capricorne. D'accord? Merci pour tous vos commentaires, merci pour tous vos likes, merci pour votre support et on se voit la prochaine fois. Bisous et bye bye.